Et salut à tous, c'est Ngo, on se retrouve pour l'épisode 6 sur Frostpunk. Bon, c'est une situation un peu compliquée là depuis un petit moment. Pour l'instant on arrive à la tenir, mais c'est assez dur. Là on consomme du charbon méchamment là quand même. Hein. Mauvais soins, logement froid, ouais, va peut-être falloir améliorer les soins. On fait du yo-yo avec les londoniens, c'est vraiment dur à gérer ça. C'est vraiment pas évident. Sur la bouffe, on s'en sort bien maintenant. On s'en sort vraiment pas mal. C'est réchauffé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis en train de regarder en fait ce qui pourrait m'aider, mais pour le moment pas grand-chose en fait. Je manque de main-d'œuvre donc. Alors, établissez les gardiens de la foi. Ça doit être une loi ça. Je pense qu'on va regarder ça après. Alors, je vais retirer des gars ici. Je vais en rajouter là. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ok. Celle-ci est terminée. Génial. Alors. On va lancer les dortoirs. 19h récente. Restante, comment ça? Ouais, je sais que le charbon c'est quantité faible, mais il va falloir plus de gars là. Hein. Comment je pourrais faire si je retire ces gars là ici? Est-ce qu'ils vont y aller eux? C'est que je peux pas les emmener. Alors pourquoi? Pour quelle raison? À cause d'une route ou quoi? Du tout l'impression que c'est à cause des routes. Donc c'est quoi ce délire? Alors un peu les chauffages partout là, parce que le charbon ça commence à me faire peur en fait, un peu flipper, je dois l'avouer. Et vu qu'on a amélioré le générateur, ça devrait le faire quand même là. Ok, les éclairs sont entrés, on ramène gavé de trucs en plus, du bois, de l'acier, pas mal de monde, c'est parfait. Ouais, il manque par contre un petit peu de tente. Alors on va commencer à faire un peu des rues là parce que c'est pas le top. Normalement là on est bon quand même. Paraît pas mal. Alors, je peux toujours mettre personne ici. Si toi je t'enlève. Ouais, c'est à cause de l'automate en fait. On va foutre l'automate là-dessus. Ah oui, d'accord, l'automate utilise qu'un. Ok, on va le mettre là-dessus. Alors, on va garder la main d'œuvre. On peut pas mettre l'automate et des humains. Ok, bah c'est pas grave, on va remplir tout ça. Ok, ça c'est bon. Deuxième mine de charbon. Pas le choix. Absolument pas le choix là. Il y a de la main d'œuvre en plus donc c'est parfait. Alors si toi t'es plein, on va mettre en bois. Alors qu'est-ce qui se passe? Davantage de lits de malades nécessaires. C'est pas vrai.
Allez, on va tenter ça. J'en ai marre de faire des avant-postes médicaux en fait. Ok, ça je suis obligé de le laisser, sinon il est pas fonctionnel. Celui-là c'est bon. On va bientôt se payer une grosse vague de froid. Faut que je règle ce problème de charbon. Les 17 gars restants, ce sont des ingénieurs. Là, c'est le plein emploi. Donc, on a même trop de gars maintenant. Alors, j'aurais peut-être pu prendre autre chose. Au final, on va regarder un petit peu nos lois là. Adaptation. C'est intéressant, mais pas pour le moment. Triage. Ouais. Ah, ça permet de soigner instantanément 2 patients sur 3. Ça, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas un truc à prendre maintenant. Et pour le moment, arène de combat, c'est quoi ça? Ça, ça réduit le mécontentement. Du divertissement, pourquoi pas? Et dans le but. Ah, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Ouais, c'est ça qu'il nous faut, mais alors attendez, est-ce que je l'ai toujours? Ouais, je vais être obligé de le prendre, hein, ce truc-là. Bon, on va le faire, on va le faire, on va voir ce que c'est. Ok. Listen, everyone. New law is signed. On va faire le bâtiment. Alors, ok, eux sont rentrés. Observatoire, on va y aller. On retournera là-bas plus tard. Hein. Quand j'aurai la technologie, je pense, pour ça. Bon, en tout cas, on avance bien. Ça baisse ici. Je suis content. Merde, il reste des gars qui n'ont pas de baraque. Obligé de mettre ça ici. Le temple a financé certaines personnes de se repentir. Très bien. Est-ce que je peux pas relancer non, pas encore. On rattrape. On rattrape avec la nouvelle mine. On rattrape, mais c'est chaud quand même. Hein. Il reste 17 gars qui foutent rien. Ça va être l'occasion de refaire une scierie, je pense. Qu'on va mettre là. Ouais, on va faire ça. Ok. Ah, gardien de la foi, il faut des mecs. Ok, bon, bah, il y aura 10 ingénieurs qui sont gardiens de la foi. Ça s'averse pas mal, hein, mécontentement, espoir. Alors, voyons voir cinématique. Bon. Pas mal.
Quelques problèmes de bouffe, mais ça devrait se régler, je pense. Assez vite. Ah, c'est à cause de ça. Ok. On va en remettre un. Je veux faire un test en fait. Parce que là, comme on le voit, c'est chaud. C'est un petit peu chaud sur le charbon. Malgré tout ça, ça m'étonne un peu d'ailleurs. Vol de nourriture. On va envoyer les gardiens. Ils ont échoué, merde. Les habitants reprennent leur espoir. Parfait. Ça, ça fait plaisir. On a réussi à inverser ça quand même. Je suis assez content. Pas mal de gars malades encore, mais bon. Ah oui, j'en ai mis deux côte à côte là. Ça, c'est pas... Ok, on va le démanteler lui, on va le placer ailleurs. C'est catastrophique sur le charbon là. Recherche terminée, dortoir, parfait. Alors, comment gérer ça? Foyer consomme tellement. C'est dingue. Ok, on va aller couper cela. Passe en positif. J'aimerais bien refaire les stocks en fait. Normalement ça devrait tenir quand même là, je pense. Ça par contre c'est hyper pratique de pouvoir gérer ça comme ça, tiens. Là il n'y a pas besoin. Lui il en a besoin par contre, ça c'est clair. Bon. On fait au mieux, hein, mais pour l'instant ça va, on se démerde. Va falloir que je crée peut-être une nouvelle expédition aussi. Ouais, l'automate produit moins quand même. Produit quand même moins. Sur la bouffe, on s'en sort bien depuis un petit moment là. Ok, tout ça c'est fermé, mais c'est normal. Ah, oula, j'avais pas vu ça. Alors, tout ça c'est fait. Station de forage. Ça, ça va peut-être être important. Je vais lancer ça. Si on arrive à faire l'avant-poste qui nous ramène du bois, on pourra peut-être concevoir du coup ça. Un four à charbon de bois. Ça va être important, je pense. Ouais. Ça peut être un objectif. On voit que ça remonte là, ça fait plaisir. Attention à la bouffe quand même. Euh,
toi tu sers à rien là, tu vas plutôt aller bosser avec eux. Voilà. Ok, eux ils vont arriver, c'est parfait. Alors, explorer. La lumière du soleil diminue. Il y a des survivants. Ils sont pas loin, on va les laisser entrer seuls et on va continuer d'explorer. On va aller au village de pêche. J'espère qu'on va pas passer à travers le lac. Ce serait un peu con. Bon, un jour. On a les nouveaux bâtiments. Niveau de chaleur, bien sûr. Il faudrait commencer à les remplacer en fait. Je vais essayer de faire ça. Un maximum. Alors on peut les remplacer en cliquant directement dessus. On voit que ça s'est bien amélioré là. Ça faut vraiment que ça tombe à zéro pour s'en sortir. C'est extrêmement dur. Maison froide. Allez, on va augmenter ça. J'espère que ça va le faire. On voit tout de suite que ça passe en rouge. Surtout en les améliorant ici, je pense que ça va vraiment être top. Couvaration. On va faire un sermon. Ok, un autre vol. On va envoyer le gardien de la foi en espérant qu'ils échouent pas cette fois-ci. Ah, par contre, c'est monté une vitesse, attention. Alors, la main dans le sac, les gardiens de la foi ont fait du bon travail, on va récupérer nanana. Ouais. Alors. Il va falloir signer une loi par contre si je fais ça. Ils ont récupéré les ressources mais surtout ils ont attrapé les voleurs. Ok. On va choisir ça, tiens. Le peuple va décider de son sort. C'est en train de baisser là. Coupiez-vous des malades. Ouais. J'aimerais bien en fait. Vraiment bien m'en occuper mais... C'est chaud les gars. Un petit peu. Il va falloir envoyer là-dessus. On produit pas assez. Ok. Ça commence à être tendu là. Parce que lui il ne sert à rien en fait. Donc je vais le couper. Il sert à rien parce qu'il n'y a pas les horaires. Donc je vais le couper pour le moment. Normalement on repasse tout juste en positif. Faut absolument que j'arrive à refaire les stocks de charbon. Alors. Je pourrais peut-être prévoir, je suis en train de penser, un poste de collecte. Est-ce que ça servirait à quelque chose? Je vais en mettre un de plus. Alors, ces produits, on a 800. On va tester, c'est juste un test, hein, j'ai envie de voir. Parce que là, le charbon, c'est un peu le... C'est un petit peu compliqué. Ah, on voit l'air d'influence là.
Alors en fait, il aurait fallu mettre que des maisons là, je pense, quasiment. Bon. On s'en sort pas mal, hein, pour le moment. Les Londoniens, ça baisse. Ça, par contre, ça va me foutre dedans, je pense. J'arrive pas à m'occuper des malades, en fait. Nourrir les nécessiteux, ça, ça va nous augmenter l'espoir. Alors, d'insertion vertueuse, les personnes avant le temps de... On va prendre ça. On va prendre ça. Le mécontentement augmente par contre, ouais. Ouais. On a bientôt les nouveaux gars qui arrivent. Allez, on va lancer ça. Ils vont faire du bien, eux, je pense. 19 ingénieurs. Beaucoup de malades. Il va falloir que je me penche un peu là-dessus, quand même, je pense, sur les technologies. Les survivants ont atteint la ville. Parfait. Ils sont là. Ils ont des maisons. Ils ont des maisons et ils vont bosser. Comme des oufs. Ok, là on est bon. Là il nous manque un gars. Hop. On va mettre les ingénieurs. Il reste 12 gars en poste vacant. Tiens, on peut en mettre un là. T'en reste en 6 jours. Faut retenir. Sur le charbon, ça va. Pour le moment. On va garder un peu les ressources parce que j'ai peur d'en avoir besoin quand même. Alors, est-ce que tout est bien relié? Normalement, il n'y a pas de problème. On va faire ça comme ça. Normalement, c'est pas trop mal. L'expédition là-bas arrive bientôt. Un autre vol. Alors qu'est-ce qui se passe avec le charbon là? Normalement on est en positif, donc attention. Faut que je me penche un peu sur la technologie, voir ce qui pourrait nous aider quand même là-dessus. La bouffe aussi, attention là. Un décès parmi nos habitants, bon, ça passe. Mais attention quand même. Ok, alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? De la bouffe, j'espère. Ah ouais, non, on va prendre ça, carrément. Tesla City, waouh. Bah, allons-y. Gardien de la foi. Ok, on va le bannir. Tant pis pour lui. Attention la bouffe là quand même. J'espère que la bouffe là ça va arriver vite.
charbon me fait peur. Alors je me demande comment c'est possible avec la production qu'on a là pourtant. Je comprends pas en fait le stockage plein là. Alors, dépôt de ressources. On va en construire un, on va voir si ça règle le problème. Parce que là du coup en fait ça fonctionne pas. Ah ouais. Bon. On prend cher. Oh là là, on était bien remonté là, on prend cher à cause de la promesse non tenue. Bon. Pas évident. C'est pas évident. Oh là là là. Ça c'est pareil, on va prendre cher avec ça. Ça risque de complètement nous foutre dedans. Il y a... Ouais, il y a trop de malades là. Glacial. Je peux pas faire ça. Ouais. Ça part un peu en cacahuète là. Faut que je trouve quelque chose pour la santé là. On va débloquer ça. Ah, je ne peux pas. J'ai pas assez de mince. Ok, on va lancer ça, c'est pas grave. C'est chaud, c'est chaud. Hein. Là, il y a trop de gars malades, hein, clairement. La bouffe, ça commence à être un peu tendu. Tout ça, c'est glacial. Il fait moins 60. Mille par jour, on est bien, ok. Alors, j'espère que ça va nous aider. Moins 60. Ah, c'est ouf. Tac. Ça augmente un petit peu. Je suis obligé d'en mettre un là. Putain, ouais. Ah, désolé, désolé mon gars. Là, je peux rien faire pour ça. Les lois, je peux pas encore en voter. Bon, je suis content sur le charbon. Je pense que d'avoir mis ça en fait, le stockage ici, ça nous permet de bosser plus en fait. Alors, les Londoniens utilisent le mécontentement. Quelques-uns ont été convaincus. Le nombre de Londoniens augmentera plus. Ah non, mais arrêtez. Le nombre de Londoniens augmentera un peu plus 6. Allez, on disperse la foule, tant pis. Le contentement, ouais, ça a bien augmenté, hein. Oh là là, l'espoir diminue. Oh là là, la claque qu'on prend. Ah ouais, non, c'est abusé. Bon, explorons ça. Terre déchaînée, Tesla City, les esprits des corps, si, nanana. Voici le slogan qu'on peut lire. Tesla City, une grande tour émet une lumière bleue à cause des décharges électriques qui forment un dôme protecteur au-dessus de la ville. Un problème a dû survenir, nous avons trouvé les corps calcinés, des rues de l'air lourd d'une odeur du chien brûlé. Nous avons vu un éclair émanant de la tour frapper un bâtiment et percer son toit. Épave de Drainout. Wow. On va rentrer en ville. On va tester.
On a perdu contact avec les acteurs dès qu'ils sont entrés dans la ville. Nous ne savons pas ce qui est arrivé. Et merde! Ça rapporte un noyau. Et merde, on a perdu des gars. Bon, je vais mettre en pause. On va s'arrêter là pour l'épisode. C'est vraiment tendu là. Mais la gestion est agréable au final, même si c'est chaud. Ouais, ils sont bel et bien morts. On est à 305. Heureusement que pour le charbon, ça va. On est limite. Hein. Il va falloir que je recrée une expédition. On n'a pas le choix. Ça, c'est vraiment trop important. J'ai fait quelques mauvais choix là, on a pris cher dans la gueule. Hein. Les sanctions sont terribles hein, sur l'espoir et le mécontentement. Quand on prend, c'est quasiment un cinquième de la barre. C'est violent. C'est vraiment très violent. Mais bon, on fait le maximum hein, et puis on va essayer d'aller le plus loin possible en gérant ça. Pour l'instant, on va dire que ça va. Mais ouais, de toute façon, le jeu veut ça, donc c'est comme ça. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite comme d'habitude pour la suite. Salut à tous!